Créa Bilou, j'espère que vous allez bien. Donc je viens aujourd'hui faire cette petite vidéo pour répondre à une question d'une de mes abonnées, Gwenola. Si tu passes par là, j'espère pouvoir répondre comme tu l'as souhaité, enfin comme tu le souhaites en tout cas à ta question. Donc cela concernait en fait ma dernière vidéo sur le haul action où je montrais que j'avais acheté ces trois blocs de papier. Pour faire, enfin c'est pas du papier, c'est surtout, oui c'est du papier, mais c'est pour faire les petites pochettes cadeaux, en fait, déjà toutes prêtes. Donc sa question était, elle me demandait si j'avais tenté de les faire, parce qu'elle avait galéré sur un des blocs, et je suppose que c'est celui-là, parce que je te rassure, j'ai bien galéré aussi. J'ai fini par y arriver, en tout cas, il faut dire qu'il y a vraiment, à part les stickers à la fin, voilà, il n'y a aucune info, en fait, dans le bloc. Donc voilà, à part l'image qu'on voit là, pour faire le bloc, il est vrai que voilà, il n'y a pas trop d'infos. Ils nous disent qu'il faut qu'il n'y a pas besoin de ciseaux, qu'il faut de la colle et que c'est un DIY en fait, hein, c'est tout. Mais il n'y a pas plus d'informations. Donc moi, je te rassure, j'ai galéré aussi, mais ben écoute, je crois que j'y suis arrivée. Alors ça sera peut-être pas forcément exactement comme il fallait faire, mais bon voilà, en fait, si ça peut t'aider. Donc du coup, voilà, j'ai fait ça là, j'ai fait cette pochette là, qui correspond, et donc les petits berlingots. Donc je vais vous passer sur mes mains, et puis je vais vous faire un exemple des trois. Il y en a un qui est vraiment très 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 simple à faire, même trop simple je trouve. Je vous fais le mini tuto des trois pochettes, comme ça, ça pourra déjà être une répondre à la question de Gwenola. Et peut-être que d'autres personnes se sont posées la question. Voilà, donc moi n'ayant pas encore essayé, j'ai pas pu lui répondre de suite. Donc j'espère que ceci répondra à ta question. En attendant, je vous fais des bisous, je vous laisse à la suite. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bye bye. Donc ben recoucou. Donc on va commencer par je vais aller du plus simple au plus compliqué. Donc je vais commencer par celui-ci de bloc qui donc fait des pochettes. Donc j'en ai déjà fait une hier. Voilà. Donc il n'y a rien, il y a vraiment, mais alors rien de plus simple. C'est même pour le coup, celle-ci est un peu trop simple, je trouve. Donc voilà. Donc ben j'ouvre mon petit bloc. Alors je vais pas faire les décos hein, parce que voilà, à la fin voilà. Hop. Donc à la fin voilà, vous avez toutes les décos avec les petits stickers et tout ça. Là je vais pas faire les décos, c'est juste le mode de pliage. Donc voilà, donc on se retrouve avec une page comme ça. Voilà. Donc rien de plus simple, hein, on marque, donc elles sont déjà, là il y a une petite fente, là il y a une fente, là il y a une fente, là il y a un pliage et là il y a un pliage. Donc ben, bêtement, c'est vite vu, hein, je fais mes pliages, comme ça, comme ça, voilà, et là donc, alors là, on a deux petits trous. Voilà, donc je suppose que c'est pour y glisser une carte. Je vois que ça. Et puis, donc là, on la replie. Et puis, donc, on passe le petit dans la fente. Voilà. Voilà, c'est tout aussi simple que ça. Hein. Donc là, voilà, j'ai une comme ça. Une comme ça. Alors, celle-là, elle est sur les thèmes des chats. Hein. Voilà. Donc, voilà, vraiment, celle-ci, elle est vraiment très, très simple. Après, elles sont mignonnes, hein, bon, pour vraiment emballer quelque chose de très rapide. Hop, donc celle-là, c'est bon. La deuxième, donc c'est les petits berlingots. D'accord. Donc, pareil, donc on prend le petit... je vais en faire une, tiens, comme ça. Voilà. Donc là c'est pareil, il y a les pliages, il suffit de suivre les pliages. Ici il faudra coller le... Alors moi je l'ai collé vers l'intérieur, je trouvais ça plus joli. Après il y en a qui peuvent le coller vers l'extérieur. Là je vais vous montrer. Hein. Donc là on plie en deux. On a petite languette là, hop.
Alors voilà, ce que je vous disais, c'est que soit vous le pliez donc comme ça vers l'extérieur, mais bon voilà, soit vous le pliez vers l'intérieur. Moi je trouve ça un petit peu plus joli. Donc là, on prend de la colle. Alors vous pouvez mettre du double face hein, aussi. Hein. Là, c'est que j'ai la colle sous la main. Voilà. Ensuite, on colle, on rabat. Voilà. Alors moi, la dernière fois, j'ai mis une petite pince hein, comme ça, le temps de faire l'autre, comme ça au moins elle a le temps de tenir. Je fais l'autre et puis après on reviendra sur celle-ci. Ou alors non, je vais le faire maintenant, ce sera plus simple. J'espère que ça va tenir. Si je vois que ça tient pas, on passera sur l'autre. Donc là, on fait comme ça. Après, moi, je fais une petite pression comme ça. Et là, on rabat le premier pli. Après, vous savez, c'est comme quand vous allez dans les magasins, vous achetez les boîtes cadeaux. Hein. Après, y a rien. Celles-là, elles sont quand même très très simples. Voilà. Voilà, donc ça vous fait. Et après, mon pliage là, il n'est pas bien fait. Hein, mais voilà, parce que j'essaie d'aller vite pour la vidéo. Voilà. Donc ça vous fait une petite boîte comme ça, berlingot. Reste plus qu'à la décorer, bien sûr. Voilà. Donc c'est vrai que pour quelque chose de rapide, voilà, c'est bien. Voilà, donc on va passer. Donc j'en ai une comme ça et donc une comme ça. Et donc on va passer à la plus complexe. Alors, je vais essayer de me rappeler comment j'ai fait hier, hein, toujours. Donc, on va essayer d'en prendre une. J'ai déjà fait les plumes. Bon, je vais prendre la première qui est là. Donc, pareil, hein, hop. Voilà. Donc là, c'est pareil. Il y a tous les marquages. Peut-être que vous pouvez le voir de ce côté. Voilà, tous les marquages. Donc pareil, ben on fait tous les plis. Ça, celui-là comme ça. Celui-là. Voilà. Celui-là, il n'y a pas de plis, tiens, c'est bizarre ça. Voilà. Voilà. Donc comme ça, donc là, ça vous fait voilà, un petit carré comme ça. Là, il y a le pli vers l'extérieur. Donc après voilà, il faut marquer déjà tous les plis. Voilà. Ensuite, on replie donc une fois que c'est comme ça, voilà. On est là, on a nos. Donc une fois qu'on est comme ça, on se tient comme ça. Voilà. Alors, donc là, on va coller. Ça y est, oui, je vous ai dit, je ne me rappelle plus. Donc, ça, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, il faut que celui-là, il soit le petit carré qui est là, il faut qu'il soit à l'intérieur. D'accord? Et après, on bascule comme ça et on viendra coller là. D'accord? Donc, alors moi, par contre, ce que je vous conseille, comme j'ai fait, c'est de prendre de la colle. Avec un pinceau, ça sera peut-être plus facile à passer. Donc, on vient l'un sur l'autre comme ça. Donc, moi, je prends de la colle comme ça. Voilà. Après, donc, on replie l'une sur l'autre. On centre bien.
passe un coup de pliloir dedans. Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, ça vous fait une petite languette comme ça. Il faut revenir rappuyer et coller. Donc moi, je mets de la colle ici, vers l'intérieur. Et il faut rappuyer comme ça. Donc c'est pour ça que je vous disais, le pinceau, c'est plus simple. Parce que franchement, sinon, c'est assez galère. Voilà. Donc je remets de la colle. Et puis avec à l'aide de mon pliloir... Je vais mettre comme ça dans le centre pour voir ce que vous voyez. Voilà, avec le plioir, je passe bien dessus. Voilà. Donc là, ce côté, c'est pareil. Donc je vous disais, là, j'ai mal fait les plis. Donc le pli vers l'extérieur, en fait, celui-là. Et celui-là vers l'intérieur. Et après, je replie l'une sur l'autre. D'accord? Donc je vais remettre de la colle ici. J'appuie comme ça et j'essaie de caler au mieux. Donc j'ai un petit chiffon, j'enlève l'excédent de colle. Donc c'est pareil, je me remets à l'intérieur pour le petit boîtier. Voilà, histoire de bien mettre. Et à l'intérieur, j'y mets une petite couche de colle. Comme ça, histoire de tenir bien l'intérieur. Voilà, donc en fait, ça vous fait ça. Voilà, hop. Donc ça vous fait une petite boîte. Donc comme ça, comme ça, comme ça, toute simple, d'accord. Et donc après, vous allez me dire, pour faire le pliage, et bien en fait, il faut simplement doucement faire un petit à-coup comme ça, et moi après je mets une petite pince histoire de tenir un petit peu et histoire de façonner un petit peu la petite boîte. Voilà, je laisse comme ça un petit peu comme ça, après ça tient tout seul. Après bon, il y a la déco hein, là, comme je vous disais, j'ai pas fait la déco, voilà. Quand ça fait là, hop, vous y pouvez y mettre quelque chose dedans. Et puis bon, presque là, il tient presque tout seul. Hein. Bon, avec la déco, ce sera beaucoup mieux. Donc voilà pour ces petits berlingots, ces petites pochettes. Voilà, avec les blocs donc de chez Action. Voilà, donc ben écoute. Écoutez, j'espère avoir répondu à tous ceux qui se posaient la question, et notamment à toi Gwenella. Voilà, après je vous dis, c'est une version de ce que moi j'en ai déduit, puisqu'il n'y a aucune info. Voilà, donc bah, écoutez, je vous redis encore cette fois-ci au revoir, plein de bisous, et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos.